Salut! À chaque fois, je vous dis, je suis de retour. Faudrait peut-être que je commence à être vraiment consistante sur YouTube. Hein. Mais bon, allez, arrêtons de papoter. C'est l'heure de passer directement à la vidéo. Vous l'avez compris avec le titre. Attention, c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurine. Quand j'avais 15 ans, mon rêve, c'était de partir aux États-Unis, dans un lycée, vivre la vraie vie. Américaine, les casiers, le bal de promo, le football américain, cheerleading. Tout ce qui vous vient à l'esprit quand on vous parle des États-Unis. Et bien, à mes 17 ans, je suis partie et j'ai eu la chance de réaliser mon plus grand rêve. Voici toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant de devenir étudiante d'échange. La toute première, c'est de ne pas comparer mon expérience avec les autres, car chacun a sa propre expérience. Donc, par exemple, moi je vous raconte la mienne, mais vous n'aurez pas du tout la même. Vous allez peut-être même avoir une meilleure expérience que la mienne. Donc c'est pour ça, ne comparez jamais votre expérience avec celle des autres. Chaque expérience est unique et chaque expérience est magnifique. Mais aussi, chaque expérience vous apprend tellement de choses. Je sais que vous me demandez souvent les points négatifs. Donc je vais vous en parler, mais pour moi ce n'est pas vraiment des points négatifs car au final, tout ce que vous allez vivre là-bas, ça va vous apporter quelque chose dans le futur. Laissez-moi vous expliquer. Donc, cette expérience, c'est vrai qu'elle est magnifique, magique, bon, vous voyez quand je vous en parle, j'en ai des étoiles plein les yeux, mais il faut savoir que c'est aussi très difficile car on part tout seul, et il faut bien se mettre ça dans la tête, on part tout seul pendant un an. Un an qui est à la fois une période très longue, mais à la fois une période très courte. Donc on part tout seul, un an, dans un endroit, dans une ville, dans une famille qu'on ne connaît pas. Bien sûr qu'il est une famille, une bonne famille, hein, mais on ne les connaît pas. On va les apprendre à connaître petit à petit. On va apprendre une nouvelle culture, on va avoir de nouveaux amis, on va avoir... Enfin, tout va changer pour nous. Et ce changement peut être très très difficile. C'est normal parce que vous allez pour la première fois de votre vie vivre seul, loin de vos parents, et vous allez vivre des expériences magiques mais à la fois qui vont vous faire grandir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, prenez bien des notes sur tout ce que je vous dis parce que c'est super important. Donc, certains jours, vous allez être super excité, ce qui est normal, mais d'autres, vous risquez d'être un peu triste, ce qui est aussi tout à fait normal. Mais ce jour-là, vous allez être triste, ne vous dites pas oh, bah vraiment ne clashez pas un peu, je sais pas comment vous expliquer, mais ne vous dites pas oh, ben c'est nul, je suis au bout de ma vie, j'ai pas d'amis, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Ne vous plaignez pas. Ok, ça peut être dur au début, vous pouvez être triste, c'est normal, il y a tout qui change. Votre façon de manger, au début vous allez rien comprendre, vous allez avoir mal à la tête, donc c'est un gros changement. Donc c'est normal qu'au début vous soyez un peu ah, bah c'est bizarre. Donc, mettez-vous bien ça dans la tête avant de partir. Et ça arrive à tout le monde. On passe tous par les mêmes étapes. L'euphorie de partir, même s'il y a le stress, la peur. Une fois arrivé, on est super excité de rencontrer la famille, mais au bout d'un moment, on va être en mode oh, ça fait bizarre, j'ai pas mes repères. Donc oui, vous perdez tous vos repères. Ah, c'est bizarre, je suis pas naturelle avec eux parce que j'arrive pas à parler, j'arrive pas à être drôle, j'arrive pas à faire des blagues, même avec vos amis. Vous allez être un peu excentré ou vous allez carrément changer de personnalité au début parce que il y a tout qui change autour de vous. Donc, vous allez essayer de vous faire des amis. Je vous promets, si au tout début vous pensez que vous n'allez pas avoir d'amis, vous allez vous en faire. Juste, ne soyez pas négatif dans votre tête. Je sais qu'au début ça peut être très compliqué parce qu'il y a tout qui change, mais soyez positif. Allez voir les gens, parlez, 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 ça va pas, parlez. Voilà, déjà c'est mes premiers conseils. Ensuite, voici comment ça va se passer avec vos amis aussi. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que par exemple en France, bah, vous êtes très très ouvert. Mais là, quand vous allez partir aux États-Unis, bah, vous allez changer de langue. Donc, votre personnalité va changer complètement. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise tout ça avant que je parte parce que vraiment, ça m'aurait aidé, même si j'ai quand même eu moins de mal que d'autres personnes qui n'arrivent pas du tout à s'adapter. Ça peut arriver. Mais si vous n'arrivez pas à vous adapter, pensez bien que c'est qu'une seule fois dans votre vie. Donc, profitez. Mais donc, je disais, il se peut qu'au début, vous vous sentiez pas vous-même. Vous comprendrez le jour où vous serez là-bas.
Mais re-regardez cette vidéo si, imaginons, vous vous sentez pas bien. Ou si vous avez le mal du pays ou quoi que ce soit, re-regardez cette vidéo. Je vous jure, ça va vous motiver. Il se peut que vous vous sentiez à l'écart parce que vous n'arrivez pas à faire des blagues. Vous n'arrivez pas à être drôle. Alors que normalement, bah, vous êtes super drôle en France. Vous faites tout le temps des blagues avec vos amis. Vous êtes super proches. Vous arrivez à leur parler. Alors qu'aux États-Unis, au début, vous n'allez pas réussir à parler. Pas réussir à faire des blagues. Pas réussir à dire ce que vous pensez exactement. Ou par exemple, vous allez mettre 600 ans juste pour dire je veux une glace, exemple, tout bête hein. Et ça, ça va vous saouler au début, donc c'est pour ça que le début est très compliqué. Mais moi, je veux pas vous en parler H24 parce que je veux pas que vous focalisiez là-dessus, parce que c'est pas le plus important et ça va pas rester. Si vous, en fait, si pendant toute l'année vous focalisez sur les difficultés et sur le fait que bah, vous êtes moins ouvert et que vous y arrivez pas, et bah vous allez pas y arriver. Ça c'est sûr. Tandis que si tout le long de l'année vous focalisez sur les choses, si vous rêvez, si vous vous dites oh je vais faire ci, je vais faire ça, je vais parler avec cette personne, je sais ma famille me manque, c'est normal, enfin tout le monde manque à sa famille, non, vous manquez tous à votre famille, non, ouais vous m'avez compris. Mais ne restez pas bloqué sur toutes ces points négatifs, parce que pour moi c'est pas vraiment des points négatifs, c'est des choses qui vont vous faire grandir. Quand vous allez revenir en France, vous allez être beaucoup plus mature que n'importe qui et vous allez même pouvoir refaire cette expérience une deuxième fois, pas exactement la même, mais vous allez pouvoir partir à l'université tout seul pendant 6 mois et cette fois-ci, bah, vous ne serez pas homesick ou vous n'aurez pas tous ces problèmes parce que vous l'avez déjà fait une fois et vous allez avoir une longueur d'avance sur tous les autres. Donc, c'est pour cela que moi, je me concentre pas trop sur les points négatifs, mais je voulais quand même vous faire une vidéo pour que vous soyez tous au courant et cette vidéo revenez à chaque fois. Si là maintenant toi t'es aux États-Unis, reviens la voir à chaque fois que tu vas pas bien. Je te promets que ça va aller. Regarde-moi, j'ai fait cette expérience il y a des jours. C'est comme un roller coaster, un manège. Hop, une grande roue. Oula. C'est comme une grande roue. Il y a des hauts, hop, vous allez très très bien et des fois il y a des bas. Mais c'est normal parce que vous avez l'impression d'être tout seul, de rien comprendre, d'être un peu le petit canard à chaque fois parce que vous comprenez pas des fois toutes les blagues, vous comprenez pas, vous arrivez pas à vous exprimer, etc. Mais ça va aller, je vous le promets. Ne restez pas bloqué sur ces points négatifs, on va dire, et profitez. Ne restez pas dans votre chambre. Ne pensez pas que vous y arrivez pas parce que vous allez vous améliorer. Soyez, en fait, prenez toute cette tristesse que vous avez par exemple au début, ou tout ce manque de vos amis et tout ça, et transformez-le en force pour vous faire plein d'amis, pour être motivé et pour vous amuser. Car plus vous allez passer du temps à être triste et à vous focaliser sur les points négatifs, qui je pense, pour moi, après 7 ans de recul sur cette expérience, il n'y en a pas. Franchement, il n'y a pas de points négatifs. Parce que tout ce que vous vivez là maintenant, ça va vous faire grandir. Et ça va vous changer. Donc s'il vous plaît, restez motivé, même si ça ne va pas. Ce qui est tout à fait normal, c'est normal de ne pas aller, d'avoir des hauts et des bas. Si vous avez des bas, allez parler avec votre famille d'accueil. Essayez de leur expliquer exactement ce que vous ressentez. Et à force, ça va aller mieux. Mais un autre truc, n'appelez pas vos parents quand vous n'allez pas bien. Parce qu'ils vont s'inquiéter. Et ils vont être à 6000 km de vous et ils vont rien pouvoir faire. Et donc en fait, eux, ils vont vous appeler après tous les jours. Sauf que vous, des fois, vous irez bien, mais vous n'allez pas leur répondre. Donc n'appelez pas vos parents quand vous n'allez pas bien, parce que c'est pas vraiment que vous n'allez pas bien, c'est juste que c'est ce gros changement. Et après, eux, ils vont s'inquiéter. Donc voilà, pensez à eux. Si vraiment vous n'allez pas bien, regardez soit cette vidéo, soit vous m'envoyez un DM sur Instagram. Mais avant de faire tout ça, pensez, dites-vous, ah oui, cette expérience, vous avez énormément de chance parce que pas tout le monde peut la faire, pas tout le monde a pu la faire parce qu'il y en a qui rêvaient de la faire mais ils n'ont jamais eu le courage de le faire parce que c'est un très gros courage de partir un an tout seul comme ça. Donc pense à ça, regarde-toi dans le miroir et dis-toi oh, ah ouais, quand même, c'est ouf, j'ai pris l'avion, je suis là dans une famille d'accueil, c'est un truc de malade. Donc au lieu de rester sur le point négatif, dis-toi mais oui, c'est une expérience de malade et je vais tout faire pour m'amuser. Et je veux vraiment que vous ayez ce mindset, cette façon de penser dans votre tête. Papa, je sais que si tu regardes cette vidéo,
Le mot mindset vient de toi. Mais bon, pensez à ça. Dites-vous que c'est qu'un an. Et cette année, vous avez l'impression que ça va passer doucement. Mais le jour où elle sera finie, le jour où vous allez être dans l'avion pour rentrer en France, vous allez vous dire, oh non, je regrette, j'aurais dû profiter encore plus, j'aurais dû faire plus de choses et j'aurais dû passer moins de temps à me plaindre. Parce qu'en fait, faut pas se plaindre, c'est une année magique et magnifique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et peut-être que sur le moment même, si là vous êtes aux États-Unis, vous comprenez peut-être pas ce que je veux dire. Mais je vous promets que si vous re-regardez cette vidéo, une fois rentrée en France, vous comprendrez tout à fait ce que je vous dis. Donc juste profitez. Voilà. Ensuite, attendez, c'est pas fini. Pour mes potes, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de partir, ou même une fois là-bas, envoyez un message à tous vos potes et dites-leur « Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous parler tous les jours, mais ce n'est pas pour ça que je vous oublie. » C'est super important parce que sinon, vous risquez de perdre certaines personnes. Moi, ça m'est arrivé et je veux pas que ça vous arrive si vous tenez à certaines personnes. Après, imaginons si certaines personnes s'éloignent de vous, c'est parce que vous n'étiez pas vraiment amis. Mais sachez que moi, par exemple, j'ai perdu de vue quelques personnes pendant très longtemps, puis après on s'est revus et on était redevenus amis comme avant. Donc, ne vous faites pas de soucis là-dessus, juste envoyez un message. Je ne vais pas pouvoir te parler tous les jours parce que je fais cette expérience et je dois être en immersion totale, donc parler l'anglais tous les jours, mais je ne t'oublie pas. Et je serai toujours là si t'as besoin de quoi que ce soit. Vous dites ça à tous vos potes. Et je vous jure que vous allez rester en contact, il n'y aura aucun souci. Ensuite, ce que j'aurais bien aimé savoir, c'est que pour... Bon, moi ça je l'ai fait, mais je sais qu'il y en a qui ne le font pas. Mais passez pas votre temps... Une fois que vous êtes là-bas, ne passez pas votre temps à parler français. Ou à parler avec vos amis français. Ou avec votre famille. Parce que tout ce temps que vous passez à parler avec vos amis et tout ça... français, bah vous allez passer moins de temps à vous adapter à la nouvelle culture et à vous faire de nouveaux amis. Et plus vous parlerez anglais et vous passerez du temps à faire des choses en anglais, et plus vous allez vous améliorer. Je vois certaines personnes qui parlent, enfin qui partent, et même quand moi j'étais étudiante d'échange, il y en a qui partaient, qui parlaient énormément à leurs amis, à leur famille, enfin à leur famille française, non, à leur famille dans leur pays respectif, et bah leur niveau était pas si bien que ça. En fait, ils n'arrivaient pas à s'améliorer parce que ils restaient bloqués dans leur pays et ils voulaient pas s'adapter. Donc en fait, ils avaient du mal et ils étaient pas bien. Mais parce qu'en fait, ils coupaient pas le cordon avec la France. Donc il faut le couper, ce cordon. Comme quand on est. Allez. Et donc voilà. Un conseil de plus, c'est de vraiment être en immersion totale. Je sais qu'au départ, ça peut vous paraître bizarre. Et là, vous allez me dire, mais elle est chiante celle-là. Ou pourquoi elle me dit ça? Moi, je veux rester en contact. Mais c'est pour vous, c'est pour votre bien. Si vous voulez être bilingue à la fin, essayez de parler le moins possible français. Si imaginons que vous êtes influenceur ou vous voulez faire des stories ou vous voulez même écrire, écrivez en anglais. Bon, moi par exemple, mon blog, je l'écrivais en français, mais j'y allais de moins en moins souvent parce que je voulais pas passer mon temps à parler français. Donc à la place, j'écrivais dans un journal intime en anglais. Mais si vous faites des vidéos ou quoi que ce soit, faites-les en anglais et passez le moins de temps possible à parler français. Comme ça, vous allez de plus en plus vous améliorer. Je sais qu'à des moments, moi j'étais plutôt triste parce que je voyais ma famille faire des trucs sans moi. Et ça m'énervait. Mais en fait, c'était plutôt mon ego qui était pas très bien. Mais au final, je me disais, mais mets-toi à la place de ta famille. Ils sont tous en train de te voir être aux États-Unis, faire des trucs de malade. Donc arrête de passer du temps à être triste parce qu'ils font des trucs sans toi. Donc ça aussi, il faut pas y penser et il faut pas être comme ça parce que sinon vous allez un peu pas gâcher votre année, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça, encore une fois, que les points négatifs, en fait il y en a pas vraiment, parce que vous devez tout faire pour que votre année soit magique, mais ça va vous faire grandir. Tous les moments où j'ai passé, par exemple, où j'étais un peu triste, où j'étais pas très bien, bah au final ça m'a appris quelque chose et aujourd'hui bah j'ai grandi de cette expérience. Et voilà, vraiment la chose que j'aurais aimé qu'on me dise avant de partir, c'est presque tout ce qui est dans cette vidéo, c'est arrête de te focaliser sur les points négatifs ou sur les choses que t'arrives pas à faire ou te dire bah j'ai pas encore d'amis, parce que oui, peut-être que t'as une amie, elle est juste devant tes yeux mais tu la vois pas, tu penses juste à avoir plein d'amis, ça sert à rien. Essaie déjà d'être en contact avec une personne et focalise-toi sur elle
et essaye des nouveaux sports, des nouvelles activités. Va parler à quelqu'un comme ça dans les couloirs. Essaye. Je te promets que c'est pas du tout comme en France. En France, ils sont plus fermés. C'est un peu bizarre de parler avec des gens dans les couloirs, parce que là-bas, tu peux parler avec n'importe qui. Donc, sois ouvert. Et je veux vraiment que tu n'aies aucun regret quand tu rentres. Voilà, c'est tout. C'est juste pour ça que je voulais faire cette vidéo. Et pour que vous soyez au courant que c'est quand même compliqué. Mais quand je dis compliqué, c'est compliqué au début. Mais après, tout le reste de l'année, ça va. Une fois que vous êtes adapté, ça va. Mais c'est juste, j'essaye de vous montrer un peu que c'est le début, c'est mal à la tête. Le début, on n'arrive pas à parler, on n'est pas, on n'arrive pas à être nous-mêmes. Donc, par exemple, moi, la Laurine qui parle beaucoup, une fois arrivée là-bas, bah, je parlais pas. Quand j'étais avec mon groupe d'amis, je parlais pas. Mais parce que j'arrivais pas à sortir les mots. Donc, c'est pas grave. Au début, on prend sur nous, on écoute, on essaie de répondre. Mais après, ça va passer. Et regardez, au final, je parle encore aujourd'hui à mes potes d'il y a 7 ans, mes potes américains. Je vais être un peu votre grande sœur qui est partie avant vous. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Regardez-la à chaque fois que ça va pas, ou gardez-la en favori pour plus tard quand vous allez partir, afin qu'elle vous aide. Envoyez-la si vous voulez à des amis qui sont là maintenant aux États-Unis ou en tant qu'étudiant d'échange pour les aider. Parce que ça peut être compliqué les débuts. On peut avoir du mal à être nous-mêmes, mais pensez que chaque étape que vous faites là-bas vous fait grandir et vous permet de devenir plus mature, d'avoir plus confiance en vous et de devenir une personne encore meilleure. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Ou si vous avez des idées, on se rejoint dans les commentaires. Je vous écouterai et on papotera ensemble. Voilà. En tout cas... Ah oui, et si vous êtes là maintenant aux États-Unis, n'hésitez pas à me le dire. Ça serait cool d'échanger avec vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bisous !